Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos tuto, épisode 11 si je ne m'abuse. Le but de cette vidéo aujourd'hui sera de parler de tout ce qui est points de recherche. Alors ça reste un tuto un peu avancé pour la plupart. Enfin voilà, c'est pas totalement débutant, mais vous allez y venir à force des choses et je trouve qu'il est malgré tout important de vous présenter ce système qui vous permettra d'avoir des navires exceptionnellement puissants, mais c'est sur le très long terme. Comme d'habitude, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et ne louper aucune de mes autres vidéos, parce que j'ai bien l'intention d'en sortir régulièrement et j'ai quelques tutos sous la pédale et des vidéos tier list et actualités. Donc n'hésite pas. Si tu veux me soutenir histoire de m'aider à mettre en avant un peu la chaîne, tu peux toujours mettre un petit pouce en l'air et mettre des commentaires, même si tu écris n'importe quoi dedans, ça aide au référencement des vidéos YouTube, ce qui me permet tout simplement, plus il y aura de gens qui le font, plus j'aurai de visibilité et donc plus de gens pourront avoir accès à ce genre d'informations qui, je trouve, manque cruellement dans le YouTube français. Pour avoir consulté pas mal de chaînes, je trouve que certains font des tutos, mais c'est jamais très complet et c'est toujours très en surface. Voilà, donc pour le soutien, pouce en l'air, commentaire, abonne-toi pour ne louper aucune des autres vidéos en cliquant sur la petite cloche. Voilà pour le petit moment promotionnel. Donc, sans plus attendre, on va partir sur cette histoire de points de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas du tout savoir ce que c'est. Pour débloquer les points de recherche, il faudra déjà que vous ayez débloqué naturellement, et je dis bien naturellement parce que si vous avez des navires premium, ça ne compte pas. Il faut que vous ayez débloqué 5 branches complètes de navires gratuits. Donc par exemple, moi là j'ai la branche complète du Shimakaze, la branche complète de la Rugomo. Ici elle n'est pas terminée au niveau de la Karyu parce que je n'ai que son homologue au-dessus. Chez les USA, j'ai la branche complète du Demon, donc on est déjà à 3. Chez les Russes, j'ai la branche complète du Petro, donc on est à 4. L'Allemagne, j'ai la branche complète du Schlieffen, donc on est à 5. Et je crois en avoir une sixième quelque part, voilà, la branche complète du Dering. Donc je suis à 6 branches complétées et je pense que c'est tout. Pour moi, je n'ai que 6 branches complétées. J'ai pour but de finir la branche des DD. Européen, parce que le Haaland m'intéresse à long terme. Voilà, donc obligatoirement, premier prérequis, avoir obligatoirement 5 navires tier 10 dans votre port et au moins, enfin en tout cas 5, au moins 5 tier 10 naturels pour débloquer cette option où vous voyez en bas, moi, il y a écrit un petit symbole là qui représente le symbole du laboratoire de recherche et à côté. Il y a un x2, je vous expliquerai ça en détail après. Mais tant que vous ne voyez pas ce petit icône là, cette espèce de losange doré, vous n'aurez pas accès au bureau de recherche. Alors, sur le papier, il faut 5 branches, mais en réalité, il vous en faudra 6. Parce que vous allez être obligé de réinitialiser une branche complète, ce qui fera que la sixième, vous allez l'effacer. Pour la refarmer, en faisant ceci, vous êtes obligé d'en avoir 6 parce que si vous réinitialisez la cinquième branche, vous ne vous retrouvez plus qu'à 4 et du coup les points de recherche disparaissent. Il faut avoir au minimum 5 branches complètes et en avoir une sixième que vous souhaitez réinitialiser. Donc littéralement, pour être plus clair, il vous faut de toute façon obligatoirement 6 branches et la sixième sera celle que vous réinitialiserez. Voilà, j'espère que c'est clair. Si jamais il y a toujours des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc maintenant, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Il suffit d'aller normalement dans l'armurerie et vous avez ce petit symbole là, bureau de recherche, qui apparaîtra uniquement au moment où vous aurez un total de 5 branches, mais ne faites rien tant que vous n'en avez pas 6. Voilà, que ça soit bien clair, sinon vous allez vous retrouver coincé. Une fois que vous avez donc vos 6 branches, on peut commencer ensemble à voir ce que vous allez devoir faire. Donc dans ce bureau de recherche,
il y a tout de suite des catégories, donc ils vous mettent les en vedette, donc c'est, ils vous montrent deux navires et tout un tas de compétences qu'on appelle légendaires qui sont plus puissantes que les autres mais qui coûtent très cher, vous voyez, presque 20 000 points de recherche. On peut aussi acheter des pavillons, mais là pour moi c'est une énorme bêtise, ne surtout jamais acheter de pavillon avec des points de recherche étant donné que c'est une monnaie difficile à obtenir et qu'on a besoin en grande quantité de 1 pour s'acheter votre premier navire en point de recherche qui coûtera 62 000. Je vous dirai combien on obtient à partir de chaque étape. Et donc la première chose c'est d'acheter un navire et après vous verrez si vous voulez acheter un deuxième, un troisième navire parce que clairement les navires de point de recherche sont exceptionnellement puissants. Alors je vais parler que de ceux que je connais, mais typiquement le Vampire est une référence dans les DD, DD chasseur de DD qui a pas de smoke mais qui a un radar si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Si il a une smoke, il a une smoke celui-ci et il a une hydro. Je confonds avec le Ragnar. Oui, je confonds avec le Ragnar. Non, ça, en fait, c'est tout. Je vais pas étaler leurs caractéristiques parce que ils sont tous très bons, mais voilà, le Vampire 2 est un très bon DD, le Druide est aussi un très bon DD. Ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs à des DD dont j'ai déjà pu vous parler dans d'autres vidéos. Ils sont un peu différents et ils ont pour vocation d'être des chasseurs de DD, surtout ceux-là. Donc ils vont être très forts en duel contre un autre DD, à savoir que d'autres DD le font très bien, comme le Marceau, le Kléber, et certains DD italiens et bien d'autres. La Rugomo chez les Japonais. Mais en tout cas, il y a un navire qui sort particulièrement du lot sur tous ces navires de recherche, même s'ils sont tous bons, voire très bons. Il y en a un qui, à mon sens, c'est exceptionnel. C'est celui-ci, c'est le Oyo, qui fait partie du top des navires. Donc vous pouvez l'obtenir gratuitement. De toute façon, on ne peut pas l'avoir autrement, on ne peut pas le payer, on ne peut pas l'avoir en achetant, on ne peut pas avec la carte bleue, c'est un navire qu'on obtient uniquement avec le bureau de recherche. Donc ça serait, à mon sens, le premier navire que vous devriez aller chercher. Après, si vous n'êtes pas du tout un joueur de cuirassé, on pourra toujours se renseigner sur d'autres, il y en a plein qui sont bien, le Sévastopol est sympa, mais c'est un équivalent... ça reste similaire à un Stalingrad qu'on peut avoir avec avec de l'acier. Acier que vous obtiendrez plus facilement que des points de recherche, en tout cas en tant que débutant. Il y a du coup aussi le Petro, il y en a plein qui sont un peu dans ce style-là, le Petro, le Mosva, le Stalin. Voilà. Après, ils ont des caractéristiques un peu différentes. Le Colbert est un très très bon croiseur. Ben voilà, il y a vraiment là-dedans, ils sont tous très bons, il n'y a rien à acheter. Mais il est vrai que pour moi, et je pense pas que pour moi, celui qui sort vraiment vraiment du lot reste le Oyo. Donc si vous voulez faire vraiment un excellent choix, partez sur le Oyo. Sinon, vous ne jouez pas du tout ça et vous voulez acheter un navire avec des points de recherche, renseignez-vous sur votre gameplay auprès de votre clan, auprès de la communauté. Allez vous renseigner au maximum pour faire le choix qui peut mieux vous correspondre avec les points de recherche. Voilà. Et j'insiste bien, c'est vraiment des navires exceptionnels. Ils sont tous très bien. Donc voilà. Et au-delà de ça, comme j'expliquais, on peut acheter des améliorations qui, elles, sont coûteuses, 20 000 points de recherche. Vous allez rapidement comprendre, on va faire une échelle, c'est-à-dire que un navire coûte 62 000 et des améliorations 20 000. Enfin, j'arrondis au supérieur, largement supérieur. Bon, c'est plutôt proche du 19 000, pardonnez-moi. Combien on obtient de points de recherche? Alors à savoir que déjà avec maintenant il n'y a plus ce système de quête quotidienne, en tout cas ils l'ont retiré pour le moment, je ne sais pas si ça reviendra, mais pour le moment on a le Battle Pass et avec le Battle Pass vous pouvez gagner du coup 300, 1500 points de recherche gratuitement par mois. Même plus que par mois et une semaine, enfin par 5 semaines. Et si vous achetez le Battle Pass, ce qui est une chose qui, à mon sens, est vraiment rentable pour le coup, bien que vous n'êtes pas obligé, mais en termes de rentabilité, on est plutôt OK. J'en avais parlé lors de ma vidéo actualité que vous pouvez retrouver dans la playlist des actualités, où je ne vais pas redéployer, réexpliquer ce qu'est que le Battle Pass ici, puisque c'est déjà le cas dans ma vidéo actualité.
Ce que je peux quand même vous dire, je réinsiste parce que ça reste une vidéo tuto, ne surtout pas acheter la... Enfin, vous pouvez acheter pour 2500 doublons la version premium du Battle Pass qui est rentable, mais ne surtout pas acheter la version premium plus qui coûte 6500 doublons et c'est une grosse bêtise. Hein. Je vais rester sur des termes à peu près adaptés. Il ne faut surtout pas faire ça, ça ne vaut pas le coup. Le fait d'aller du coup acheter la version améliorée du Battle Pass, mais ça vous garantit en fin de mission, mais attendez d'être sûr d'avoir pu jouer suffisamment chaque semaine pour avoir complété le level 50 du Battle Pass pour aller débloquer le fameux tier 7 qui est enfin. Tier 7 avec son commandant et sa place de port offert. Et donc du coup, en termes de points de recherche, puisqu'on est sur une vidéo points de recherche, ça vous permettrait, pardon, d'obtenir combien de points de recherche supplémentaires? Donc 500, 900, 9, 10, 11, 12, donc 1200, pardon, 1200, 1500, 1800, 1800 points de recherche supplémentaires si je n'ai pas fait de bêtises au niveau des calculs, sans parler de toutes les autres récompense qu'il peut y avoir pour 2500 doublons, ça vaut vraiment le coup, hein, c'est clairement. Quand je dis ça vaut le coup, c'est que c'est rentable, ça veut pas dire que c'est indispensable, j'insiste toujours bien. Donc vous voyez que toutes les 5 semaines, on peut gagner une petite quantité de points de recherche, on va dire, si vous avez payé le Battle Pass Premium, ben, vous êtes pas loin des, un peu dans les 3000, un peu plus. Si vous l'avez pas payé, vous êtes à 1500. Voilà. Vous pouvez avoir 1500, mais qu'à partir du moment où vous avez débloqué vos 5 branches de points de recherche. Comment peut-on obtenir autrement des points de recherche? Parce que là, vous allez me dire, mais il va falloir des mois, des années, enfin clairement des années, pour avoir votre navire. Alors c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Une fois que vous avez vos 6 branches, j'insiste bien 6 parce que vous ne ferez rien sans la 6ème. La 5ème vous permettra de débloquer les missions, mais il ne faut surtout pas réinitialiser votre 5ème qui vous fera retomber à 4 branches et donc du coup vous serez bloqué et vous ne débloquerez pas la quête, ou en tout cas la possibilité de pouvoir faire ce que je vais vous expliquer. Donc pour faire ce que je vais vous expliquer, il vous faut 6 branches. Maintenant, je l'ai déjà fait une fois, mais je ne vais pas le refaire de mon côté. Il faut avoir beaucoup de prérequis. Si je veux, et il faut le faire uniquement lorsque vous voyez ce fameux symbole de point de recherche x2. À aucun autre moment. Ça veut dire que là, si je réinitialise ma branche, voilà, que je clique ici, réinitialiser, il me dit que parce que c'est tous les, je sais plus tous les combien de mois il y a cet événement-là de point de recherche x2. Donc il m'explique bien, réinitialiser la progression. De la recherche, et ils expliquent bien ce que ça réinitialise, donc ça va m'enlever tous les bateaux de la liste du tiers 1 jusqu'au tiers 10 de la branche que j'ai réinitialisé. Donc déjà il faut être clair là-dessus, ça va tous les bateaux que vous aviez de cette branche, vous les avez plus. Ensuite, ça permet d'obtenir une quantité de crédit au total, donc ils vous font le récapitulatif en vendant donc tous les navires. Je vais récupérer 26, ben on va dire 27 millions, mais attention, ce n'est qu'illusoire parce qu'en vérité, vous allez en perdre des crédits. Je vais vous expliquer ça après. Donc, il vous explique que tous les navires et les éléments du navire réinitialisé seront vendus. Les camouflages, drapeaux et pavillons seront transférés vers l'inventaire, donc vous ne les perdez pas. Les améliorations seront retirées gratuitement et transférées vers l'inventaire, donc c'est pareil. Quand vous allez racheter la branche, parce que le but c'est ça, c'est en fait de réinitialiser une branche et de la racheter. Je vais y venir après, pour débloquer ces fameux points de recherche. Donc je vais faire étape par étape parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et les commandants seront envoyés à la réserve. Donc vous perdez rien en finale, vous perdez des crédits et peut-être un peu d'XP libre. Voilà. Ensuite ils disent, ben, en dernier... gagner des points de recherche x2, parce que c'est un événement qui a lieu tous les X mois, je ne saurais plus vous dire combien de mois, sincèrement, donc, mais c'est au minimum tous les 3, voire tous les 6, je pense tous les 3 mois, je pense que c'est tous les 3 mois, mais ne vous fiez pas à ce que je vous dis, c'est peut-être pas une donnée très fiable, mais ça, dans mes souvenirs, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Donc, ça me permet qu'une fois que c'est réinitialisé, et que les navires de toute la branche de l'arbre techno que vous réinitialisez vous rapporteront des bonus de performance au combat, dont une récompense spéciale de points de recherche. Pour obtenir la récompense, recherchez un nouveau navire et achetez-le, puis prenez sa barre en bataille, c'est très clair leur explication pour le coup, et gagnez
et obtenez la quantité requise d'XP de base. Voilà, donc une fois que vous avez réinitialisé toute votre branche, vous les avez plus, et pour gagner les points, c'est pas au moment où vous réinitialisez les branches que vous gagnez les points, c'est au moment où vous rachetez les navires que vous avez réinitialisés et que vous allez les rejouer un par un que vous allez gagner des points. Donc là, il vous explique qu'effectivement, quand je réinitialise, je vais perdre le tier 1, le tier 2, le tier 3, le tier 4, le tier 5, mais je vais gagner des points qu'à partir du tier 5. Le tier 1, 2, 3, 4 me rapporteront rien du fait de les racheter et de les jouer. Ça va compter qu'à partir du tier 4. Donc là, il m'explique que une fois que j'aurai réinitialisé la branche et que j'aurai racheté du coup le Minekaze, la Tsuryu, etc., le tier 6, 7, 8, 9, 10, il va me m'indiquer, il y aura une petite icône ici. Une fois que c'est réinitialisé, que je le rachète, donc le racheter va me coûter le double. En fait, je vais gagner 26 et quelques millions de crédits, mais ça va m'en coûter plus de, enfin, presque 60 millions pour les racheter. Une fois qu'ils sont rachetés, on va forcément les racheter en crédit pour gagner du temps. Après, si vous êtes patient, vous les rachetez avec de l'XP libre. Pardon, je vais être plus clair. C'est-à-dire que forcément, vous allez devoir dépenser des crédits pour les racheter. Donc, les crédits que, une partie des crédits que vous avez récupérés en les vendant, mais vous allez les reperdre en les rachetant. Sur la totalité des 56 millions, ou c'est plutôt les 62 millions que vous allez dépenser, il y aura 28 millions qui vous seront déduits. Donc, en réalité, vous allez dépenser 28 millions. De crédit, donc ça veut dire qu'il faut avoir pas mal de millions de crédits sous le coude en amont, parce que racheter vos navires va vous coûter plus cher que le gain de la vente. Voilà, j'essaye de répéter plein de fois l'information histoire que ce soit bien clair. Donc une fois qu'il est racheté, ici j'aurai un petit symbole de point de recherche qui me dit 400. Donc si je le joue, j'aurai 400 x 2, donc ça sera 800. Et il suffit juste de faire une victoire. Donc il suffit même d'aller en bataille de coopération. Vous faites votre bataille de coopération, vous faites une victoire et terminé, vous avez gagné vos points de recherche. Les premiers ne rapportent pas grand-chose et plus on avance et plus ils rapportent beaucoup. Donc là, moi je ne vais pas réinitialiser devant vous parce que je n'ai pas envie de le faire en ce moment. J'ai envie de conserver mes points d'XP libre. Alors pourquoi je parle d'XP libre ? Vous savez, si vous avez suivi mes vidéos, que c'est une monnaie extrêmement cruciale. Cruciale parce qu'elle permet d'acheter des navires en XP libre qui sont achetables quasiment qu'en XP libre ou alors dans les coffres de Noël. Et certains coûtent très cher, comme là 2 millions. Bon, celui-là, je compte pas l'acheter. Et on ne sait pas si les développeurs vont sortir des navires de nouveau en point de recherche à l'avenir. Et parmi ceux qui pourraient sortir en point de recherche, peut-être que certains seront exceptionnellement forts, comme ça a pu l'être par le passé. Donc moi, dans le doute, je prévois un peu la chose. J'essaye d'avoir toujours 2 millions d'XP libre sous le coude, juste au cas où. Quand j'ai réinitialisé mes branches, ouais, j'avais 3 millions et quelques d'XP libre. Et pourquoi je vous parle d'XP libre ? Parce que du coup, effectivement, je répète, elle sert à acheter des navires, à éventuellement acheter des améliorations sur un navire. Si vous avez écouté mes vidéos passées sur les tutos que je fais, donc je ne reviens pas dessus. Je vous invite à retourner vers mes anciennes vidéos si vous voulez comprendre tout cet aspect-là. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Et ils servent aussi, l'XP libre, à racheter rapidement une branche que vous avez réinitialisée pour obtenir des points de recherche x2 et uniquement x2. J'insiste, ne le faites pas quand ils sont x0. C'est pas rentable du tout. Vous allez perdre plus qu'autre chose. Donc, une fois qu'il y a cet événement de x2, voilà, je vais racheter, je vais jouer mon Minekaze. Mais plutôt que de m'embêter à devoir jouer X game du Minekaze pour débloquer de nouveau, et bien en général les joueurs vont préférer les racheter en XP libre pour passer direct au navire suivant, le jouer, gagner les points de recherche, repayer en XP libre le suivant, l'avoir débloqué, le jouer, etc. Donc je sais plus quelle quantité d'XP libre il faut au total pour racheter tous les navires qui, en tout cas pour ceux qui vous rapportent de l'XP libre, pour ceux qui vous rapportent, pardon, des points de recherche, donc à partir du tier 5, combien coûte en XP libre de tout racheter du tier 5 au tier 10, je ne me souviens clairement pas. Mais ça représente un bon million plus probablement, je sais plus.
C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir pas mal d'XP libre sous le coude quand vous faites ça. Ou alors vous êtes juste patient, sachant que vous avez au minimum 3 mois avant le prochain événement d'XP x2 sur les points de recherche. Vous pouvez tout simplement les monter comme vous avez monté tous vos navires par le passé, en les jouant, en utilisant des bonus économiques d'XP pour augmenter votre progression, pour passer d'un navire à l'autre. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes patient, vous les rejouez et vous les XP normalement. Mais c'est vrai que les gens vont préférer les XP, la remonter en XP libre pour pouvoir monter d'autres branches qu'ils ont envie de monter à côté. Sinon, ça demande un gros temps de jeu, effectivement, pour remonter de nouveau à chaque fois cette branche. Ça vous empêche de monter toute autre branche. Ça, c'est vous qui voyez. C'est juste que ça va vous prendre du temps. Voilà. Donc, je fais un petit récapitulatif, en tout cas des derniers points pour être sûr que vous compreniez. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, bien sûr, exprimez-vous en l'espace commentaire. Comme d'habitude, je laisse en bas de vidéo des liens pour les wikis du jeu, des liens pour la communauté FR afin que vous puissiez trouver un clan si vous n'en avez pas, parce que le jeu, clairement, sans clan, il est un peu triste. Donc, je vous laisse le Discord de la communauté française pour faire vos demandes de recherche de clan. Je vous laisse mon propre Discord pour me poser des questions au besoin. Et j'essaye de créer une petite communauté autour de ça. Et je vous réponds toutes les questions que vous poserez sur mon Discord. J'essaierai d'y répondre au mieux. Si je ne suis pas en capacité d'y répondre, bien sûr, je vais aller me rapprocher de personnes expertes dont je suis déjà entouré, qui vont me permettre d'affiner la réponse pour vous donner une réponse la plus propre possible. Je vous laisse tout ça en bas de vidéo. Je vous laisse aussi bien entendu mon lien de parrainage, parce que si vous découvrez le jeu avec cette vidéo, déjà première chose, allez surtout voir mes autres vidéos pour tout comprendre de A à Z. Ça va énormément vous aider parce que le jeu est très complexe et du coup ne commencez pas le jeu sans avoir un parrain. Je vais pas détailler tout sur le parrainage parce que c'est beaucoup trop long. Je vous invite à aller vers mes autres vidéos qui est le tuto ultime ou la vidéo free to play pay to win. La question en gros, est-ce que c'est free to play ou pay to win, je vous encourage à aller voir cette vidéo où j'explique ce que c'est que le parrainage et les gains du parrainage. Donc là je vous montre juste que en gros le parrainage donne énormément de récompenses. Donc je vous montre juste un petit écran ici de tout ce que vous pouvez recevoir. Quand on débute, clairement, c'est des bonus extraordinaires. Et si vous êtes assidu et qu'après vous jouez avec moi, vous avez d'autres cadeaux à gagner. Et ça, c'est à vie en fait. Donc surtout, ne commencez pas le jeu sans être parrainé. Et avec un parrain qui joue, surtout. Parce que il y a beaucoup sur le très long terme, c'est extrêmement rentable. Donc si vous avez, il faut que vous ayez les conditions, c'est que vous ayez fait moins de 15 games pour pouvoir être parrainé. Si vous avez un peu trop joué, ben recommencez un compte à zéro et faites-vous parrainer, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Si vous êtes un ancien joueur qui redécouvre le jeu avec mes vidéos et qui veut revenir et que ça fait plus de 3 mois que vous n'avez pas joué, ben utilisez le lien de parrainage aussi, ça vous permet de gagner un navire premium de tier 5 et des jours premium. À condition d'avoir joué 25 batailles. Voilà, donc je ne détaille pas plus le parrainage dans cette vidéo. Je vous encourage à aller voir les autres, mais ce qui est important, c'est ne surtout jamais commencer le jeu sans être parrainé. Et si vous n'avez pas débloqué plusieurs branches de tier 10, ou en tout cas une, et que vous n'avez jamais dépensé de sous dans le jeu, clairement, je vous encourage à recommencer un compte à zéro et vous faire parrainer. Vous verrez que vous y gagnerez beaucoup plus qu'à ne pas l'être sur le très long terme. Vous le comprendrez dans les autres vidéos que j'ai pu faire. Voilà, j'espère que ça aura été très clair pour vous, ces histoires de points de recherche. Ça vous permettra de comprendre mais du coup comment s'y prendre de A à Z. Et comme d'habitude, commentez, likez, partagez. Je compte sur vous, je vous fais des gros poutous. À très bientôt. Je perds mes mots. Soyez attentifs à vos proches. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.